Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo de présentation d'un livre très spécifique. J'ai vu que vous aviez bien apprécié la présentation de l'ouvrage de Maître Murakami juste avant les mois d'été. Aujourd'hui, on se fait un petit focus sur un livre très particulier, la biographie de Maître Kazé. C'est parti. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, j'ai été très agréablement surpris par vos retours, vos nombreux retours sur la vidéo de Maître Murakami, que vous pouvez retrouver ici d'ailleurs, où je vous présente un ouvrage très très beau, très spécifique, très très bien fini. L'idée de ces petites vidéos, c'est de faire un peu en revue de presse mes livres préférés, non pas dans leur contenu, mais plutôt dans leur packaging, c'est-à-dire quels livres mettent véritablement en valeur et de manière originale à la japonaise, avec des exigences d'édition japonaise, des maîtres ou des pratiques traditionnelles japonaises. Donc là, c'est le cas ici du karaté-do avec Maître Kazé. Et cette magnifique biographie, elle est tirée à uniquement 1000 exemplaires. Elle a été écrite intégralement par la fille de Maître Kazé. Et elle comporte des éléments qui sont très très beaux. Donc déjà, c'est une, certes un ouvrage comme l'ouvrage de Maître Murakami qui a un certain coût, il faut compter plus d'une centaine d'euros pour pouvoir acquérir ce livre, mais pour le coup, il propose des choses très originales. Le livre de Murakami avait cette façon en poster de présenter les katas. Ici, on a dans le packaging de Maître Kazé une très jolie photo qui a été donc signée et tamponnée. En tout cas pas dédicacé de son vivant, bien évidemment, mais voilà, ils ont intégré une très belle photo, une dédicace, c'est une photo qui d'habitude est accrochée juste au-dessus. Et ici, on a donc un ouvrage qui comporte deux parties. Donc, c'est une édition donc, faite par la fille de Maître Kazé, et c'est une édition qui a l'intelligence à la fois d'avoir un contenu vidéo et un contenu texte. Ce contenu texte, il a lui aussi l'intelligence de proposer trois langues simultanées. C'est-à-dire que vous avez trois parties et à chaque fois, on a trois, colonnes. Une colonne en anglais, une colonne en français, une colonne en italien, ce qui va vous permettre, pour le coup, de comprendre parfaitement cet ouvrage qui a été écrit avec passion, avec cœur et surtout sans aucune concession, ni en cherchant à être trop consensuel sur la vie du maître, puisque chaque réalité a été écrite en détail, même des choses qui pourraient, pour le coup, écorner très légèrement la belle image martiale de Maître Kazé. Tout a été écrit avec vraiment honnêteté. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié parmi tous les livres d'arts martiaux que je peux avoir à la maison. Je me suis vraiment régalé. Et à côté de cet ouvrage-là, on a donc un autre petit recueil qui, lui, contient deux DVD. Alors là, on a des vidéos exclusives, on a même des vidéos totalement inédites, que ce soit de stage ou même de diffusion à la télévision. On a des katas par Maître Kazé, on a aussi des séminaires, on a voilà, un peu sa vie avec beaucoup de contraste et de variété. Donc on a deux disques exclusifs et on a donc cet ouvrage qui comporte, alors celui-là fait 140 pages. Donc évidemment, vu qu'il y a trois colonnes, il y a beaucoup moins de texte que 140 pages. Et il y a également quelques très très jolies photos. On a un joli portfolio du maître avec ce qu'il a pu, voilà, ce qu'il a pu faire au fil du temps. Avec des photos purement occidentales et purement japonaises. On a vraiment ce mélange des deux. Et on a, voilà, on a un livre à l'intérieur et vraiment ici en noir et blanc. Très très qualitatif. On retrouve un petit peu, à l'instar de l'ouvrage de Maître Murakami, les exigences que l'on peut avoir dans les éditions Kodansha, par exemple, japonaises, qui proposent des livres vraiment de très très belle qualité. Donc là, on a en tout cas un packaging ici en tissage avec une impression noire sur fond blanc qui est pareil, très qualitatif, qui est très très joli. Et donc un ouvrage tiré à 1000 exemplaires que vous ne trouverez peut-être plus, il est sorti il y a quelques années maintenant, donc ou en tout cas sur
des ventes aux enchères, vous pouvez éventuellement trouver, mais il va s'envoler à plusieurs centaines d'euros. En tout cas, si jamais vous avez l'occasion, dans une brocante, on ne sait jamais, de le trouver, n'hésitez pas. Et même si vous en avez déjà un, vous pourrez le revendre et vous pourrez trouver, même serait-ce que sur cette petite chaîne YouTube, des passionnés qui seraient ravis de l'acquérir. Portez-vous bien, à très bientôt.